Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie de Junia. Alors, faisons un petit tour de la mer Noire. Et qu'est-ce que... Ah oui, c'est un esclavagiste ou un truc comme ça, lui? Avarice. C'est ça, lui, il est spécialisé en vol de bouffe, lui c'est un beau parleur, et lui... Croissance locale. Ouais, strict, c'est bien. Non? C'est pas ça? C'est pas intéressant. Corrompre le commandant de l'armée ennemie. Si j'arrive à l'avoir, franchement, c'est... de chez fort. Après, tu me diras, il a rien de... Il a rien de particulier pour ça. Non, bon bah il va rester sur du de la cupidité. Hein. Et d'ailleurs je vais l'envoyer, genre j'ai aucune idée de qui il y a là. Si ça a été conquis ou pas ou quoi que ce soit, on va l'envoyer tout là-bas. Voilà. Hop, ah. Regardez-moi ça. Magnifique, n'est-il pas? Je vais aller prendre Ascocalis. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de troupes. On va profiter pour... Hop, la prendre facilement la ville. Je vais aller défendre la cité juste au sud. Oui, mini, on avait dit, ça c'est... Oui, et ça, on prend... Pardon? J'avais pas pris ça? J'ai loupé quelque chose? Pas grave, bon, bah, on va retourner à Kasurgis. Dans tous les cas, hop, on lui divise ses territoires, c'est plutôt une bonne chose. Il pourra pas tout défendre, il a beaucoup moins de troupes que moi. Là, il y a du plomb. Félicitations à vous. Budorgis, 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 c'est où? Ah, c'est là. Je sais pas trop ce qu'on fera ici, peut-être de la bouffe, ouais, en vrai. Ah, ici ça donne quoi? Est-ce que je peux prendre la ville, résolution taux de l'assaut? Oui, mode protection. On occupe, tranquille ou bilou. Il pourra rien faire avec ça, il pourra rien faire avec ça, il pourra toujours essayer, mais il passera pas. De l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, une cale sèche ici, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Ouais, d'accord, non mais c'est bien, mais enfin... Je sais pas ce qui bouine là. Bon, résolution en mode équilibré. Hein. Là je vais pas réussir à passer parce qu'à chaque fois il envoie du monde et... Eh ben il me faut un petit peu de temps histoire que mon armée se reconstitue quoi, ma légio se reconstitue. Heureusement, j'en ai une deuxième qui va passer par le nord. Voilà. Hop là. Là, j'ai commencé à reconstruire des routes apparemment. Mes habitants, ils sont chauds, ils ont déjà fait de la route. On voit, on se dépasse plus rapidement ici. Hein. Photo.
Hop, allez, on va faire de la rentrée d'argent parce que, à force d'augmenter l'Imperium, j'ai de plus en plus de corruption. Et qui dit corruption dit bah, je gagne moins d'argent. Un bâtiment me rapporte moins en soi. Ah oui, j'ai une sécession, j'ai zappé. Oh, j'ai failli oublier, j'ai failli passer le tour. Heureusement que j'ai vu ça. Ok, tu peux te marier toi? Oui, et toi, voilà, très bien. Oui. Voilà, joyeux mariage. Toi pareil, tu as le droit. Des gosses, ça c'est cool. Ah, moins de corruption, c'est bien. Ouais, déjà niveau 2. Parfait. Puis là, je suppose que je vais pouvoir aller faire monter le niveau. Ça fait un moment que j'ai pas regardé dans le coin. Bien joué. Quelques généraux, pareil, qui ont sûrement. Voilà. Impeccable. Oula. Bon, 27, on s'aime, on s'apprécie pas trop hein, en soi. Bon, là, il va fuir, je suppose. Je peux reprendre Tarako. Sans problème. Belle cité. Direction Arakilom. Et pour finir, on ira à Brigantium. D'ici, ça prendra un ou deux tours à y aller quand même. D'y aller. Ça sera un peu plus long. Tu voles bien de la bouffe, oui. Toi, tu voles bien de la bouffe, oui. Très bien. Très bien, tout ça. Est-ce que je peux. Toujours pas. Ah. Je peux faire un. J'ai pas de levée d'impôt ici? Oh, ça a dû déconner. Où j'ai dû. Ouais, j'ai pas dû. J'ai pas dû faire attention, mais. Pas de levée d'impôt en Italia, c'est quand même dommage. Ça s'entend bien avec Pergamon, lui. De nouveau, ça. À moins que ce soit moi. Et que ça ait déconné. Je sais pas. Les bruits, hein, non? Ah, il y a la City aussi qui les embête. Bon, bah, ici, comme on l'avait dit. Résolution, mode protection, ça passe. Non, vraiment, je perds deux navires là. On va dire que. C'est parti qui me demande de payer 10 000. Hein. T'as de l'espoir, mon ami. Hein. Ah la vache, il y a du mercenaire. Je vais la jouer sur champ de bataille. Je sais pas comment je vais la gagner celle-là. Et quelle carte? C'est gagnable. C'est gagnable parce que le point il est dans le port. Le point de capture, il est genre.
Il est genre là, là, vous voyez là sur le port. Et là, les bateaux, ils peuvent canarder, genre, ils sont juste devant, il n'y a aucun problème. Alors, quelques bateaux qui sont en sale état. Hop, déjà, je mets tout le monde. Je retire feu à volonté. Je vais mettre quelques navires comme ça. Quelques navires comme ça. Hop, et les autres abîmés derrière en cas de besoin. Voilà, j'espère que je suis pas trop près des côtes pour pas me prendre des projectiles. Ça va. De toute façon, là, je vais devoir être économe en munitions parce que. Sinon, ça va pas le faire. Allez, toi, fais-toi plaisir. Surtout, on tire avec des rafales enflammées en pleine nuit, ça devrait être beau. Qu'est-ce qu'il fout? Tu veux pas prendre le point? Bah écoute, stop. Par contre, eux, ils mettent 20 ans à charger, hein. Est-ce que là, genre, je pourrais... On peut pas. Ils veulent pas. Est-ce que ça passe là? Je dis de tirer. En vrai, il a vu le passage qu'il y a. Là, ça ferait mal, hein. Oh oui, ça marche. On a quelques-uns qui passent. Genre lui là, il a dû faire tellement mal. Tiens, visez-moi le général. Non, lui en fait, là, il est bien dans le tas. Oh, ça fait mal. Quand ça touche. Ça va les gars, vous voulez pas non plus rentrer, débarquer peut-être hein? Ils se font tirer dessus, les cons. J'ai pas envie qu'ils prennent feu. Reculez, 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 bande d'abrutis. Bah, ils sont juste bloqués, hein. Attends, ils n'y arrivent pas, je comprends pas. N'y arrive pas. Con, du con, du con, du con, du con, putain. Ah, c'est du con et du con, c'est pas du pont et du pont, c'est du con et du con, cela. Hein. Bon, faites favor, notez-vous. Vous voyez bien qu'il y a un général qui prend un point là, non? Ils sont trop loin. C'est bon? Allez, sortez-vous aussi là. Non, bon, d'accord, il veut pas. Allez, force. Réussir avec la technique du spam. Bah ouais, bah non, bah il est en train de cramer. Bah oui, qu'il est en train de cramer ce con. Bah oui, il s'est rapproché aussi. Il a besoin de rapprocher pour tirer avec des balistes. Débile. Bon. Allez, replacez-vous. Non, je me suis trompé de touche, autant pour moi. Vous déjà. On va mettre des rafales classiques. Parce qu'il y a beau dire. Pas de main de garde, il n'y a pas de main de garde. On verra. Vous avez besoin de vous déplacer pour tirer là? Sérieux? On va accélérer, on va attendre qu'ils se placent parce qu'ils sont un peu, ils sont
Très con, arrêtez de faire feu. Là, vous tirez sur dans l'eau, je sais pas pourquoi. Je suppose que vous avez trop de munitions, vous savez pas quoi en foutre. Allez, placez-vous. Ouais. Placez-vous dans ce sens-là, je sais pas, démerdez-vous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel, c'est n'importe quoi. Allez, vous cassez-vous là-bas. Ça sert à rien. Hop, les autres, placez-vous là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là 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 là, c'est laborieux, hein? 10 minutes pour se placer, hein? Yes! Super les mecs, hein? Vous êtes bons, hein? Bon, c'est intérêt à me les aiguiller ceux-là, là, je veux pas savoir. Bon, foutez-moi des rafales enflammées là, vous pouvez me dire que vous allez me dire que vous n'arrivez pas non plus à tirer dessus. Là, vu qu'ils veulent pas. Si je dis je veux démolir ça, forcément ils vont bouger. Mais est-ce que par pur hasard, il y aurait des dégâts collatéraux? Ou alors est-ce que pour une fois, ils seront assez précis pour le dégommer? Ouais, ils ont des dégâts collatéraux, mais pas du bon côté, c'est dommage. Ah, faites feu à volonté là. Ouais, dégommez-moi ça là. Ah là, les dégâts collatéraux, c'est ça que je cherche. Très bien, enfin, vous avez compris. Ah, par contre, si vous approchez trop, je... Quoi, ça vous sert de vous approcher? Le bâtiment, il est cassé. Je vous ai dit de viser le bâtiment, il est cassé. Alors arrêtez d'approcher. Il reste un bâtiment debout, tiens. Ouch. Bah là, ils ont pris un coup de chaud, là. Démolissez-moi ce truc, là. Ça vous bloque. C'était du des habitations gauloises. On va devoir tout reconstruire, une nouvelle ville. Quelque chose de propre quoi. Hop là, allez au moins. Pareil, là-bas. Comme ça, ils ont nulle part où se planquer, là, les lanciers de Wooden. Le général. Ouf. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez compris les mecs, enfin. Ah là, et encore, ils peuvent se planquer. Pas de problème. C'est bon, c'est bon, c'est cassé ça. Quelques cheminées encore debout, pourquoi pas. Tout le monde a stoppé, maintenant vous mettez feu à volonté et vous ne bougez pas, je veux pas savoir. Voilà, on peut maintenant accélérer. Et non, sur le général il tient. Hein. 7, 6, 5.
Il esquive aussi. Voilà, enfin! Oh là là, par contre, faut vraiment apprendre à tirer, les mecs, hein. Vous êtes vraiment nuls. Hein. Vous loupez tout. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont morts. Ils ont battu retraite, c'est bon. Mais bon, la cavalerie, ça va pas être facile à choper. Hein. Stop, stop, stop. Allez, visez quelqu'un d'autre, là. Sérieux, visez quelqu'un d'autre. Genre des gens plus proches. Genre eux, tu vois. Ils sont tout juste à côté, là. Où est-ce qu'ils tirent? Apparemment, ils font feu. Hein. Je ne sais pas où. Mais apparemment, ils font feu. Ouais, là, c'est... Ouais, ça va. C'est bien, en plus, ils se baladent dans ces troupes là. Ça leur fait de la perte. C'est très bien, continue comme ça. Ok, stop. Lancier suivant. Ça se rapproche trop là. Encore finir en feu là, cette histoire. Allez, replacez-vous. Oui, maintenant, vous voulez pas vous tourner du bon côté, toujours pas. Hein. Bon sens, quoi. Voilà. Allez, feu à monter encore. Avancer un peu ou pas? Ah merde, 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 non, je peux pas avancer là. Je peux pas avancer à cause de lui là qui me... Qui me canarde si j'avance. Après ils sont pas des masses mais... Ils tiennent quoi, 28, maintenez. Donc il m'embêtera. Problématique. Puis 28, hein, il perd pas d'unité. Ah si, 26, ouais, ça y est. 2 en berne. Ah d'accord. Donc ils ont plus de morale, moins ils sont, plus ils ont de morale. C'est pas mal quand même. Le principe j'aime beaucoup. 15. Voilà en berne. Ouais, 15. Ouais, 13. On attend, on n'est pas sûr. Ils ont un sacré moral hein, quand même. Hein. Ah, ça, ils sont peut-être fait toucher un peu. Ah yes! Voilà, approchez maintenant. Qu'est-ce qu'il fout? Vraiment. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Je suis à peu près sûr qu'il va devoir passer là. Allez. Hop, je vais rapprocher quelques autres navires là. Des navires là ici. Ils ont un angle différent de tir. Débarquer l'amiral pour reprendre le point hein, au cas où ils veulent pas jouer.
Voilà, un en moins, deux en moins. Lui, il est en train de se barrer. Est-ce que je peux leur tirer dessus? J'en sais rien. On va essayer. S'ils avancent. Ça fera un bouchon, de toute façon. Je passe après. Il n'y a plus vraiment les unités à distance pour m'en aller un peu. Ah, si, il a lui toujours. Oui. Focus là sur lui, là. Lui, plus problématique que n'importe qui. Yes, oui, c'est bien ça les mecs, hein. Le bouchon est parfait. Allez, défoncez-les moi ceux-là. 57 là. Je vais venir pas les faire débarquer, hein. Ils vont me saouler. C'est bon? Voilà. Bon, j'ai gagné. J'ai encore perdu un bateau. Voire deux. Ça, c'est chiant. Mais bon, pas trop chaud. Au moins, on s'est débarrassé des mercenaires. Tu me dirais, il doit plus. Au d'un moment, il va s'essouffler, quoi. Allez, un autre triomphe. Ok, mon triomphe gratuit. On a toujours une sécession là-bas, en cours. Va y aller tranquillement. Là, je vais aller choper cette flotte. Ça m'a bien saoulé. Voilà. Non. Je coupe pas en entier. Peu dégoûté. Surtout qu'elle s'est barrée, mais je sais pas où encore. Minier, on avait dit. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais recruter temporairement. Temporairement. Lui, d'une légio. Hop, tu veux recruter des mercenaires, moi aussi. Sauf que moi je les améliore. Voilà. Allez, viens jouer maintenant. Ah, il va peut-être mourir. Oh, ce serait dommage. Quel dommage. Franchement. Ce serait vraiment ballot. Hein. La portée de déplacement, c'est quoi le délire? Alors, elle est où la route? La route est tellement pourrie que je la vois pas. Votre prochain ordre? En déplacement. Ok. Élaboration d'une embuscade, chef. Embuscade. Ils sont pas totalement rétablis, mais bon, on va s'approcher. Il va avoir le choix. On la voit. Je sais pas la portée. La direction ture. Non, c'est de la bouffe. Je fais une petite embuscade au cas où il veuille faire marche arrière. Que ça passe réel en résolution. Ouais, ils sont comptés comme comme venant les aider. Ça risque d'être tendu là. Ok.
encore les Cimériens. Si ça se passe comment? Passe. Ah oui, merde, j'ai oublié. Elle est bouillie, hein, ça peut pas partir de Belz comme ça. Heureusement que j'ai fait améliorer les routes. Hein? Non, pas saboter. Si, oui. Oh, si, allez. Très bien. Libérez-vous, les esclaves. Enfin, chez eux, hein, pas chez moi. Parce que vu le nombre d'esclaves que je dois avoir, si ça vient de chez moi, à mon avis, c'est moyen drôle. Et terminons le tour, voyons voir la réaction des Nerviens. Ouais, ouais, j'ai oublié ça. Leur territoire étant coupé en deux. Un étant une sortie, ils n'ont pas vraiment le choix. Ouais, tant de pertes que ça. Oh, et pour ah, ils ont des guerriers fidèles. Ah, mais j'ai des gardes prétoriens. Allez, esclave. Il y en a de la troupe, hein, salaud. Ah vache. Il y en a vachement de flotte. Hein. Bon. Et bah ça, on le fera lors du prochain épisode. On fera cette bataille. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain jour. Merci d'avoir suivi. C'était Thiob.